Alors, ça devrait marcher cette fois-ci. Si on arrive à charger le jeu. Le truc incompréhensible des MXS, des fois t'arrives pas à charger, je sais pas pourquoi ça tourne en boucle. Mais bon, c'est le bonheur des jeux. Ça y est, enfin. Ah, merci. Dis-moi juste que ça marche là, sinon je comprends pas pourquoi. Suspense. Oui, c'est bon, ça marche. Alors, on va pouvoir faire le premier report du coup. Alors, on a dit qu'il faisait n'importe quoi toute la course. On va y arriver, hein, une demi-heure après. On y arrive, hein, vous inquiétez pas. Loading. Pourquoi c'est si long à charger là? Pour ça, au niveau qualité, normalement, j'ai pas changé. On va regarder. C'est pas normal que ce soit si long. Non, je connais juste. Zach, alors. C'est un peu fort pour mes oreilles. Le départ. Il disait quoi pourtant? Découpe dans la ligne droite du départ. Il a rien découpé. C'est bien lui, hein, Zach Schaeffer. Ouais. Il a pas mis la bonne course, je suis sûr. Je sais pas comment les gens vont se tromper de course, quoi. C'est écrit lequel track c'est, quoi. C'est peut-être celle-là, hein, la ligne droite. Non, il découpe pas. Bon, tu sens qu'il maîtrise pas trop ce qu'il fait, là. Tu sens que c'est un peu limite partout. Ah oui! C'est plus un bug pass, ça! C'est qui a coupé? Kevin, le brun. Et c'est Alexis, du genre. Oh, comment il la découpe? N'importe quoi. Il revient n'importe comment, là. Ok. C'est même plus dit. Ouais, quand je vous dis qu'il maîtrise pas trop ce qu'il fait. Il roule un peu toutes ses pompes, quoi. Ok, bon, là, il est tout seul. Ah. Ok, donc il insulte en plus. Écoutez, il va prendre un ban. Puis il quitte, ok. Bon bah ça c'est rapide. Alors, sanction. Hard, block pass, plus insulte. Ban 1 week. Direct, il avait rien eu avant, mais bon, moi. Hop. Ban 1 month. Le premier c'est fait. Alors derrière, bon, on va pas le faire parce que. Voilà, ça sert à rien, on vient de le sanctionner, Zach. Puis il a déjà pris une grosse sanction. Yo Dorian, yo à toi. Il a déjà pris gros, donc on l'enlève. Il n'y a pas d'autre Zach. Non, il n'y en a pas d'autre. Du coup, on passe directement découpe à plusieurs reprises sur la fin de tour. Sur le dernier tour. Et c'est 22-45, il faut se mettre sur Anthony.
playback 22-45 sur Anthony. Yo Dolan, j'espère que tu vas bien. Salut à toi. Salut, salut. Bienvenue. On fait les petits reports de Mixas Rank. On est vendredi matin, du coup tous les gens sont au travail ou en cours. Du coup, il n'y a pas forcément beaucoup de monde ici. C'est normal. Vous inquiétez pas. Salut Fabien. Salut à toi. Salut, salut. Hello, welcome. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Non, je sais pas si mon son est bien réglé. Oui. Hello DJ Nico. Bah écoute, ça va très bien. Content de ma course d'hier soir, donc ça va bien. Ça va bien, ça commence à progresser, donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça me rattrape de la semaine dernière où j'avais pas aimé le track, où j'avais eu un peu un baisse de motivation. Je me dis putain, les tracks sont vraiment durs. Et cette semaine, je suis content parce que j'ai réussi à faire un bon truc. Quand la piste est un peu plus. Il y a moins de virages plats, je suis content, j'arrive à faire des bons trucs. Yo Diego, bah dis-moi, vous arrivez tous en même temps. Vous avez pris les bus et vous arrivez tous en même temps, c'est ça? Il y a un métro qui est arrivé, et hop. Non, pas Human Event, mais on fait 600 LCQ Event, donc je suis content. Oui, je vous spoil direct, mais. Ça passe pas pour le main event, mais à deux places près, puis. J'étais pas loin, quoi. J'étais à. À la fin de la course, à 10 secondes, je crois, du top 4. Donc. Sur une chute, ça passait, quoi. Oula. Il y a eu chaud, là. Ok, il a oublié de freiner. Bon, il roule fort, mais est-ce qu'il maîtrise ce qu'il fait? Il galère un peu. Hein. Ouais, le replay arrivera demain, je pense, sur ma chaîne secondaire. Je mettrai les qualifs et les replays en même temps. Enfin, ou les qualifs le matin et les replays l'après-midi, mais je mettrai les deux demain, je pense. Qui vont rouler fort mais qui maîtrise pas grand chose. Oh, je viens de le dire, dès que WND je fais 6 en LCQ, mais au cul du top 4, donc content, j'ai pas été largué ou quoi que ce soit. J'ai vraiment bien roulé sur mon LCQ. Le main event, j'ai fait beaucoup trop d'erreurs. Mais le LCQ, j'ai plutôt bien roulé, donc je suis plutôt content. Et j'ai pas pris un bon départ pourtant. Donc, comme quoi, avec un vrai bon départ, il y a moyen de faire encore mieux, quoi. J'ai malheureusement été. Je suis pas tombé au départ, mais j'ai été gêné par une chute qui était devant. Mais faut que j'arrive à faire des meilleures places pour avoir des meilleures places sur la grille, quoi. Parce que là, j'étais vraiment full externe. Donc, forcément, full externe en SX, c'est pas l'idéal. Bon, pour le moment ça va, il fait pas trop de conneries. Sinon ils disent dans le dernier tour. Mais ça m'étonnerait pas qu'il gros block pass en voulant. Ouais, voilà. Là c'est un peu horrible ce qu'il fait, quoi. Et puis il remet la même, sérieusement. Ah, puis il l'attend. Il l'attend juste pour le découper, quoi. Non, pas de main event hier soir, mais beaucoup de gens hier soir ont vu que ça roulait vraiment fort quand même. Ils ont vraiment compris que. Il en fait exprès en plus. Il peut prendre le ban. Bah ouais, il va prendre son ban. Il avait Kohu avant Anthony. Il avait rien eu.
Mais le main event se rapproche quand même, hein. De semaine en semaine, ça se rapproche, donc je suis content. J'étais encore lent, mais pas si dégueu. Salut Mix, où est-ce que tu as traité mon report sur Koken qui protestait contre un pilote qui a coupé un virage pour lui sauter dessus dans la... Tu l'as fait quand, hein, Kings? Parce que là, je suis au report du 10 janvier, hein. J'ai beaucoup de retard. Dernier tour, je lui mets un tour, il garde à fond et me découpe, Gwendal. 12-21. Mais le main event arrive. De toute façon, c'est l'objectif. Le jour où je passe au main event, je serai content. J'ai pas un objectif top 5, j'ai pas un objectif de classement général, j'ai pas un objectif de... Je veux juste faire un main event, quoi. Juste une fois marquer des points, ce serait tellement ouf. Une fois, quoi. Parce que moi, en général, j'ai 0 points. Mais j'ai fait toutes les courses. Enfin, 3, quasiment toutes les courses. J'ai pas fait la semaine dernière, mais je fais de mon mieux, quoi. Yo, Alphax, yo. Ouais, j'ai quand même bien roulé, je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Bon, LCQ, j'étais vraiment content, tu vois. J'ai fait 2-3 petites erreurs, mais zéro chute. Et vraiment régu, au cul de tout le monde, quoi. Vraiment. Vraiment bien, quoi. C'est ça, ouais, dès que je me c'est exactement ça. Puis les gens étaient contents aussi sur le live, donc c'est cool. Puis ils se rendent compte que, ouais, ça roule fort sur Ice Factory. Vraiment fort. Gwendal. Ouais, c'est ça le fax, c'est ça. Et pas forcément qu'à mon départ, j'ai fait quelques petites. Je pense que sans les erreurs, ça pouvait passer. Parce que puis il suffit que devant ils fassent une erreur. Il y a aussi l'effet de course. Hein. Ils étaient vraiment compacts les trois devant. Ils se seraient fait chuter, ça se trouve, je passais et je faisais trois quoi. Donc ça va vraiment dépendre de la course. De moi, tant que je roule régul et que j'ai rien à me reprocher, ça me va en fait la course. Ah, il y a une semaine, ok, oui, donc il y a le temps. Bon, là il est tout seul. Et c'est qui du coup qui se prend en bloc passe? C'est Ange Mathieu. Il est là. Putain, il tombe à tous les virages. Il est où? Gwendal. Oh oui, ok, d'accord. Dégueulasse. Dégueulasse, Gwendal. Sanction. Je crois que c'est comme ça, plein gaz. Ouais. Merde, je sais jamais ce que c'est l'un. Are you overtaker? Overtaker lap. La peur et je saurais pas comment dire. Mais je crois que c'est juste overtaker. Dépasseur, ouais, je dirais ça. Ouais, je suis dur ce matin. Je suis dur, mais il y en a marre des gens comme ça, quoi. Envoyez. Merci. Coupe la piste pour me dépasser. Tour 2 et tour 3. Jam Ryder. Benjamin Galichon. Ok.
C'est James Ryder 2017. Bien pratique ce système de report quand même, hein. Je me suis fait chier à le faire, mais ça marche bien. Je suis bien content de ça. Je sais pas s'il faudra que je fasse une page avec tous les bans de tout le monde. La liste de tous les bans. Je sais pas. Je mettrai pas les raisons, je mettrai juste les bans qu'ils ont eu. Je sais pas si ce sera vraiment utile, je pense pas. Aucune idée. Jam Rider. Il est. Là. Est-ce qu'il y a eu un truc avant, Jam Rider? Non, il y a que des gens qui ont jamais rien eu avant, c'est étonnant. Tente le triple, ok. Un peu court. Ah, il est juste devant, ok. C'est dans le coin, je pense. Ah oui! Oh, puis derrière, ils se font tomber. Après, il a mal réception de son saut, hein. Un serveur pas MXS sur un autre jeu, ils ont une liste de qui répertorie tous les bans, etc. avec les sanctions et tout. Comme ça, tu peux voir tous les gens qui sont bans. Ouais. Tu trouves que c'est bien le fax ou pas? Moi, j'ai pas envie que ça crée du lynchage quoi sur des joueurs en mode ouais, t'as eu 15 bans machin. Et en mode ouais lui il a eu un arc bluff pass, il a eu qu'un avertissement, moi alors que j'ai eu moi qui joue que ça machin. C'est quand même au cas par cas quoi. Je sais pas. Salut Harry, salut. Bon j'ai DL MX Bike. Quelle galère. Je veux bien m'amuser. Bah t'as de la chance, MX Bike est plus facile à prendre en main qu'un MX Simulator, tu vois. Tu vas plus vite t'amuser sur un MX Bike qu'un MX Simulator. Ouais, il coupe pas mal le track quand même. Ok. Mais je veux juste lui mettre un warning. Me découpe et freine en ligne droite pour me faire tomber. Ok. 14-21. Bon après ça me prendra pas beaucoup de temps de faire un truc de ban parce que je les ai la liste mais ouais, faudra que je vois. Que je tripare 8D et ouais ça peut se faire. Salut Indélé Bilink, salut à toi. Welcome, welcome. Compliqué la prise en main quand même. Ouais. C'est. Il y a plein de réglages en fait à faire à droite à gauche pour être bien. Et pour t'as des stops sur YouTube qui sont plutôt bien. Mais une fois que t'as. Tu vas plus vite prendre en main le jeu quand même que MX Simulator. Moi je sais que j'y ai moins joué et je roule assez fort quand même dessus en y jouant moins. Le jeu est plus permissif. Emile, on a dit.
J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est abusé. Il est là. J'ai pas roulé cette semaine, ce track me dit rien, moi. Moi, c'est de la semaine où j'ai pas fait les tracks. Voilà, il se rate, ok. Celui qui revient un peu n'importe comment. Oh, il est dégueulasse. Il y a eu un truc avant ou pas, Emile? Non, je vous dis, on a que des gens qui ont jamais rien eu avant. Il est horrible son block pass. Bon, déjà, il a un hard block pass là. Il l'a découpé, hein, clairement. Ouais, pour tout le monde, je te rassure, un délai bilan. Pour tout le monde, et il n'y a pas que les débuts, même moi je galère encore à faire certains trucs. Même 7 ans après, c'est toujours dur. Ah, j'ai cru qu'il allait lui remettre la même. Je cherche pourquoi il l'avait doublé si vite. Ah ok, donc il cherche vraiment à le faire tomber quoi. Ouais, il y en a 50, Kevin. Donc autant dire que je ferai pas tout ce matin. On a un mois de retard, mais t'inquiète, c'est rien. Bah écoute, si t'as que ça à faire, pourquoi pas. Sanction ban. Je mets jamais en fait, je mets jamais moins d'une semaine parce que après là on est vendredi. Je pourrais lui mettre moins parce qu'en fait c'est surtout si les gens jouent que le week-end et que je leur mets 3 jours et qu'on est lundi, ils s'en foutent du ban parce que clairement ça va pas les empêcher de jouer. Donc je mets une semaine, je suis sûr de les empêcher de jouer une semaine. Ça marche, merci. Théo, il a rien eu aussi. Il y a que des gens qui ont rien eu. Ah oui, ça y est. Ça faisait plusieurs courses qui découpaient mes bots et ma première course sur le serveur, il me le bug pas salement et roule n'importe comment. J'avoue que je me suis vengé une fois. Et pour plus 3 de l'euro, il vient archi fort et me découpe juste avant la dernière ligne droite et me coupe le track. Ok. 18,51. Il y a eu deux reports toujours là-dessus. Donc il y a Théo déjà à 6,52. C'est bien, il a mis le temps. Faut qu'on se mette sur Théo. Ça marche. Tu bosses, Kevin? Qu'est-ce que tu fais? T'as trouvé un boulot? What the fuck? Il nous a pas dit ça. Petite question, MC, quand je vais me connecter, ils me mettent une phrase et après des connexions. Ouvre ton chat et lis la phrase indélébile. Tu sauras pourquoi t'es ban. Enfin, pourquoi t'es pas ban, pourquoi t'es black flag. C'est quand même track, c'est marrant. 52 du coup.
Bah, bonne pause à ceux qui sont en pause au travail. Welcome à vous. N'hésitez pas à cliquer vos Prime ici. Et à sub avec l'argent du boulot. Le mec qui force. Ah, c'est dans le coin du coup. Ouais. J'imagine que c'est smooth, c'est ça? Ouais. Bon, c'est moins violent que les autres quand même. J'ai connu des moves plus violents que ça. Salut Loris! Salut Glacey! Salut à vous! Bienvenue sur le live! Ouais, par contre, comment il s'est vengé derrière? Il a de la chance, Tom, parce que si il l'avait report, c'était un ban pour Tom, alors que. Que Théo aurait pas eu de ban. Oh, puis il continue. Sur tout le monde, quoi. Il arrive et il bloque passe tout le monde, quoi. Horrible. Genre, le mec, il lui a rien demandé. Il arrive. Pam! Il arrive, pam! Les bons gros cancers, quoi. Allez, hop. Théo, il avait rien eu. Bah, il se prend un ban. Moi, ce matin là, je suis déter. Moi, je mets des bans. Hein. Bah, du coup, indélébile, tu vois, tu vas sur MXS Rank, tu vas dans la FAQ et tu vois exactement ce qu'il faut que tu fasses. Tout est dans la FAQ. Ah oui, il y avait Team. À 7 minutes, Antoine Delestre. On va se mettre sur T. C'est quoi son nom? T. Smith. Il dit que c'est à 7 minutes. Pam, pam, pam. Il est loin, Antoine. Mais il est loin. Peut-être avant, attendez, on va se mettre sur Antoine, c'est le plus simple. Bon courage, hein, si tu viens commencer MX Simulator et que tu veux aller sur MXS Rank. Ok, donc c'est là. Ouais. Ça c'est moche. Lui remet la même. Il a la chance de passer l'arrivée. Métis, il y a déjà eu un Hard Blast Pax et on l'a déjà dit que c'était 2 semaines, donc ce sera 2 semaines. C'était quand qu'on lui avait dit ça? Ouais, bah, il y a longtemps, mais bon, peu importe. Hard Block Pass. Ban 2 weeks. Ban 1 month. On l'avait prévenu, hein. Hop là, envoyé. Cutlass Gate. 21 54.
C'est la version avec l'anime que je connais, moi, celle-là. Ouais, celle-là avec la longue, ok, d'accord. Ok, d'accord. Toi, c'est le genre de choses où j'aimerais bien avoir. Pour mettre des sanctions de vélo, en fait. Faut que je vois pour le faire. Parce que clairement, hein, quand un Vasseur, tu mets une sanction de vélo, ça le fait chier. Hein. Parce que je crois qu'il est bien classé. Ouais, tu vois, il est 7ème. Tu fais un petit moins 500 de vélo? Ça le fait bien chier quoi. Mais on va lui mettre un. On met quoi là-dessus? Un warning ou un ban? Sachant que derrière il a pris la pena, mais. Hello Leoris, salut à toi. En mode direct, pas bête. Ban 14 mois. Ouais, c'est pas bête de mettre une grosse menace pour la prochaine sanction. J'aime bien l'idée. Coupe le track juste pour le toucher. Tanner Scott. Ouais, d'accord, Alphax. Faudrait que je leur ajoute la possibilité de mettre des pénalités. Surtout que je pourrais le faire maintenant avec mon système automatique. Je pourrais mettre des pénalités assez facilement de Hello. Faudrait que je le rajoute. Je pense que Kevin, tu seras d'accord que toi aussi tu fais des sanctions. Des fois, un petit pena de vélo ça pourrait faire plaisir quoi, en plus d'un avertissement. C'est vrai que pour le. Il y a des gens qui s'en foutent parce que quand ils sont milieu de classement, ils s'en foutent, mais pour les têtes de classement, c'est vrai que ça. Ça peut leur faire chier quoi. Tanner Scott. Je vais essayer lundi de continuer mon campagne lundi prochain en live. Si j'ai le temps lundi, pourquoi pas lundi après-midi. Même si. Faut que je vois quand est-ce que je pourrais tourner ma vidéo de lundi soir quoi. Et qu'est-ce que je vous mets lundi soir quoi. C'est la grande question. Bon moi je veux savoir où c'est qu'il coupe pour découper. Ouais c'est ça, il y a une de faut pas. Ah oui. Il s'est raté en plus. Ah non, il y arrive. On l'a déjà sanctionné en octobre dernier quoi. MicGP, mais tu veux faire quoi sur MicGP, Loris? La carrière, c'est le mercredi, hein, c'est pas lundi.
Bonjour, j'ai gagné cette course car une fois l'arrivée passée, ça fait que de s'insulter. Il y a déjà eu des trucs. Ah oui. On l'a déjà menacé de permanent ban, Jason. C'est quand qu'on l'a menacé de permanent ban? En novembre dernier. Ok. Parce que demain matin, c'est je teste ton track. Limite 2016, ça pourrait faire ça quoi. Ban life is coming, yes. Personne n'utilise les emotes là et c'est le ban? C'est ban? Il y a le petit c'est ban là. Je la vois pas dans le chat. Je vous ai fait une magnifique emote. Même pas ça l'utilise. Ah, voilà un Delville. Voilà, je préfère ça. Il faut aller à la fin de la course, hein. Ok. C'est où qui dit ça? Des fois, il y a des gens. Non, c'est des cancers, les Français, vraiment. C'est vraiment des cancers, quoi. En soi, Jason, il a pas insulté. C'est Bandero là. Le problème, c'est que c'est pas lui qui a été report. Donc, je peux rien faire. Je vais pas me faire chier à chercher l'autre. Hein. Il fait le report. Mais Jason, il fait rien quoi. Il a quand même placé le mot Tantous, tu crois? J'ai pas vu. Attends, on va voir jusqu'en bas. Tu veux se battre et tout? Il vient de Discord et tout. Non. Non, c'est les autres qui insultent tout le monde, mais bon. Après, il faisait sa course, donc il a pas parlé. Non. Bon, moi je vais rien pouvoir mettre là-dessus. Parce que c'est pas la bonne personne qui a été report. Donc. Oui. Découpage dans le dernier tour à 9, 20, 18, 14. Ouais, mais c'est Bandoro qui a vraiment cherché la merde là, toi, plus que Jason. Jason, il a juste enfin, répondu calmement, quoi. Il disait pas va niquer ta mère, fils de pute et tout, tu vois, c'était plus cordial ce qu'il disait, c'était plus subtil. Donc ça passait encore. Mais il y aurait un report sur Bandoro, il aurait pris un ban, c'est clair.
Mais il n'y avait pas de report sur Bandero. Baptiste! Where are you, Baptiste? Tu es là? Oui, c'est toi. 9-20. Donc là il lui met un tour. Il inspecte pas son drapeau bleu. Rien à foutre du drapeau bleu. Et il vient bloc passe. Ok. Yo Erace, salut salut. M'embarque la roue avant en me doublant. Un gars. Ben, je sens quand même une petite faute du. La suite sur un autre report. Là. Ah, c'était l'ISCA. Bien, Talisker il fait ça bien. Jimmy Leclerc 23-20. T'as 4 fois marqué contacting server, ça bloque là. T'as la bonne adresse, indélébile. Je sais que Télescore joue en vue première personne. Donc pour l'éviter, c'est chaud quoi. T'as rien le temps de faire. On va regarder le triport parce qu'il a. Ah non. Non, c'est un autre qui est autre chose. Moi, je mettrais rien là-dessus. Ou juste un warning. Parce que pour moi, c'est même. Ce qu'il a. Bon, il se redresse quand même. Mais bon, ouais. Désolé, Talisker. Désolé. C'est vrai qu'il se redresse un peu, mais bon. Après, en soi, il prend la ligne, quoi, mais bon. C'est le truc un peu délicat sur MXS ou le truc qui est chiant, quoi. Dès que tu touches un peu l'avant, paf, ça part direct, quoi. La chute. Puis il a du galère à repartir en plus, vu qu'il est en montée, là. Horrible. Ouais. Et après, il la reporte sur Glenn Hélène, pareil. Florent Maladou, 4,57. Alors là, peut-être qu'on va avoir un truc un peu mieux. Ouais, bon, il tombe même pas, donc c'est un fait de course, ça.
juste qu'il ressort un peu Istrat, mais bon. Tesco en soi tombe pas donc. Et derrière c'est à quoi 5 25, bon c'est juste après. Ouais, non mais c'est pareil. Malheureusement. Tesco qui fait la faute. Il force, mais bon. Tu peux pas faire grand chose sur ça, quoi. D'accord qu'on met rien là aussi. Hein. Ouais, je me rappelle de toi, Eric, le motard. Du coup, tu peux claquer ton prime. On est d'accord là-dessus, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Allez. Cette personne s'amuse à découper tout le monde. Comment il est décompté? Ok. Donc moi et mon ami Tom Weller. Marco 1341. On avance, on a quand même fait 14, 15 là avec celui qu'on va faire là. Et on avance, hein. Comment ça va être rapide sur les reports maintenant? Faut se mettre sur Marco Rudolf. D'où c'est Alcrest le report? Il est cassé ce report? 13-41. Ah bah il est cassé là. J'essaie de le retélécharger, mais j'ai l'impression qu'il est cassé lui. C'est la première fois que ça me fait ça. Moi je vais pouvoir l'avoir comme ça. Ouais, non, il est cassé. Ok, bon bah tant pis. C'est bizarre, c'est la première fois que ça me le fait. Bon bah il y aura rien. Après l'avoir doublé, très propre, il me découpe plein gaz. Ouais, mais ça je pourrais rien faire ça. Du coup, c'est le 06. Jordan Lacoste, il est jamais rien eu. 19-14. C'est la première fois que j'ai un report qui est bugué comme ça. Salut Cyril, salut à toi. Merci beaucoup DXWND. T'as pas fait le main event. Ton clac. Tu claques ton prime pour le deuxième mois. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Ça m'intrigue toujours le truc que t'as devant le GLH Plex là. Et merci pour ton prime. Merci beaucoup. Le 06 et c'est pas cool. Ah bah y'a un. Ils étaient là les gens go se faire ban. Faut s'inscrire à un truc sur Twitch, ok. You Bugs, salut, pareil toi aussi t'as eu une émote sympa avant. Glitchcom 2020. Oui j'ai dit que oui Sinoric et que vu que je me rappelle de toi tu peux claquer ton prime. Qui précise quand c'est? Non. Est-ce qu'il avait eu un truc le 06? Non. Mais
Mais oui, claquage de Prime, GG. C'est gratuit et moi ça me fait. Ça m'apporte de l'argent. C'est quand même fou ça, qu'il y ait des trucs comme ça qui existent. Ça vous coûte zéro et moi ça me rapporte de l'argent. C'est ouf. Comment ça tu l'as claqué hier soir? Tu l'as pas claqué chez moi? Comment ça, je comprends pas. Dark Knight, merci beaucoup pour ton follow. Merci beaucoup à toi. Chez qui tu l'as claqué? Shinorik. Explique-moi un peu. Pourquoi tu n'étais pas là sur le live d'hier soir? Faut que tu m'expliques ça. C'est un lapeur? Sérieusement? Ah bah c'est gosse, ok d'accord, c'est les lapeurs cancer. Et je crois que les gens les ont, ils partent de toute façon. Non, les primes c'est gratuit, ça coûte pas 5 €. Enfin, il faut avoir Amazon Prime, tu payes Amazon Prime, et si t'as Amazon Prime, c'est que tu t'en sers. Mais derrière, c'est gratuit quoi. En soi, tu payes rien pour sub chez les gens. Bon, c'est où qu'il y a full découpage? Bon, ils sont toujours là, les cancers, malheureusement. Je crois qu'il y arrive pas juste après, donc ils vont tous se faire ban. Ils sont déjà ban, mais bon, au moins ils vont vraiment se faire ban. Je t'ai su pendant 6 mois d'affilée. Ouais, non, c'est le petit écart de trop, Shinorik. T'inquiète. Ah, oui, ok, d'accord. Puis il tombe pas. Ouais, les ban 9 arrivent, vous inquiétez pas. Pim pim penne. Ils sont là, les ghost fairban, ghost fairban, ghost fairban, machin, machin là. J'ai déjà vu les courses, donc je vais mettre. J'ai pas besoin de les regarder, je les ai déjà vus. J'étais venu sur serveur pour les ban justement. Mail. Donc c'est fait. Ce que je les avais pas traités encore. Désolé, vous verrez pas les conneries, mais j'ai pas vraiment le temps de regarder encore leurs conneries. Ils m'ont déjà fait perdre assez de temps comme ça. Voilà. Maxime Simon, je prends un appui externe. Il vient de découper, attaque suicidaire qui ne pouvait pas passer. Il tombe aussi et perd beaucoup de temps car nos motos étaient coincées. N'importe quoi, ok. 20-12. Ah, on passe page 2. On avance, hein? 36. On n'aura pas le temps de tout faire, mais on a bien avancé quand même. Premier tour. Maxime Simon. Il y avait des trucs avant ou pas, Maxime Simon? Moi, je veux savoir. Ça a bloqué. Pourquoi il veut pas me faire mon retour? Oui, voilà. Maxime Simon, il a jamais rien eu. Y a pas beaucoup de gens qui récidivent, hein. Comme moi, c'est ce que je disais en fait. Le système de report d'Amixem marche bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui récidivent, à part quelques-uns qui sont juste
des fous quoi. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de gens qui facilitent en général. Travailler son freinage là. C'était ça, c'était cette action là? Ouais. Je vais mettre juste un avertissement. Suicidaire 21-09. Ouais, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais bon, voilà, juste un avertissement, au moins c'est passé. Passé rapide, efficace. Ah, je pensais pas autant avancer aujourd'hui, c'est cool. C'est cool, c'est cool, parce qu'on a encore une demi-heure de report. Donc on va pouvoir bien bien avancer, Kevin, il n'y aura pas trop de boulot ce week-end. C'est bien. Du coup, faudra que je trouve du temps pour ajouter les pénas de vélo si on veut faire dans la report. C'est pas grand chose à faire, mais faut que je le rajoute. Ah, j'ai pas vu. Du coup, faut se mettre sur Tony Lopez. Qu'est-ce qu'il fait déjà? J'ai oublié. Regarde la fin de mon dernier tour, il fait un truc suicide. Ok, on va se mettre sur Jorgan Lacoste du coup. Ben ils sont chiants les gens qui ont pas leur vrai nom. Tony Léo le 6. Bon bah tant pis, on va se mettre sur Tony Lopez. Voilà. Donc dernier tour, donc c'est plus loin que ça. C'est le 6. Ah, c'est celui que j'ai ban tout à l'heure. Ah, facile. Qui fait son truc suicide, il tombe pas, Tony.
devant, ouais. Et derrière. Ah oui, là. À mon avis, c'était juste pas fait exprès. Il a juste pris beaucoup trop vite le virage par rapport à ce qu'il sait faire. Puis l'avant est sorti, quoi. Ouais, il a même pas touché, c'est clair. Et puis derrière, je pense que. Et après, il win la course, du coup, c'est fini, quoi. Ah bah tiens, un mec qui croit qu'en s'appelant jouer motocross il est invincible. Curtis il a déjà eu des trucs en plus. Donc lui ce qui lui pourrait donner c'est le permanent de ban. Hein. Clairement. Et le 19 janvier on lui a mis un truc. Hein. Le 19 janvier, notez bien. On lui a mis un mois le 19 janvier. Non c'est pas possible. Peut-être mis one week. Je sais plus. Peut-être oui, on a peut-être mis que one week. Mais en gros on lui a mis une semaine de ban. Le 19 janvier, et il revient. Donc en gros, ça fait qu'il est revenu le 26. Non, avant. Le 20, ouais, le 26. Et en une semaine, il a réussi à refaire un truc qui lui vaut un permanent ban. Tu bannes sans regarder? Non, on va quand même regarder. À la fin du troisième tour. Mais regardez son beau palmarès quand même. Hein. Il coupe la piste, il hard block pass et il fait tomber d'autres personnes. Et il fait encore tomber des gens. Tout le temps. Et là, la même chose. À la fin du troisième tour. Ok. C'est là. Ouais, je pense. C'est sur qui? Dimitri. Ouais, c'est là. Dimitri qui se met long, du coup qui arrive pas à freiner, donc il bloque. Il glisse. Du coup, ça fait tomber, ouais. Ok, donc il en fait exprès quoi. Ok. Comment tu es gêné? Hinder? Ok. Ça serait ça du coup? Ouais. Bah c'est ce qu'il lui pendait au nez de toute façon hein. Depuis le temps qu'on lui disait. Hop là. Et on dit donc, il y aura du permanent ban aujourd'hui hein. Lui il coupe le terrain partout et prend même 40 secondes de péna. Ok. 11-0-2. Non Harry, j'aurais pas le temps de jouer après. Il y a trop de... Tu vois bien, il y a 33 reports à faire. J'aurais clairement pas le temps de jouer après. On a dit c'était Jacques. Ah c'est lui. Les gates on connaît pas.
Les gates, on connaît toujours pas. Il va nous le faire à tous les tours. Les gates, on connaît pas. Les gates, on connaît pas. J'ai pas vraiment en force de rire. Pas sous de ma gueule non plus, hein. Je veux bien qu'on coupe, mais faut pas abuser quoi. 0-3, envoyé. Après un drapeau, il vient me chercher à l'intérieur sans aucune raison. Faut-il lui rappeler qu'est-ce qu'un drapeau bleu? 19-14, 6-43. Anthony! C'est le roost, Hugo, dans les paramètres. Je vais te montrer quand ça aura chargé. Il y a même qui me demande sur Discord pourquoi il était Black Flag. Juste parce qu'il a été ban. Juste parce qu'il s'est pris un ban. On a dû le ban dans la session et du coup, il a été kick du serveur. Alors, c'est Anto à 6:40. Salut Rebelso, salut, est-ce que dans le virage de joystick faut le mettre à fond à droite ou à gauche? Regarde mes vidéos, mes gameplay, mes rediff de live, t'as ma manette, je sais plus, mais je crois qu'il faut le mettre à fond. Hein. Je sais plus comment je fais. Attends, bah, non, je suis pas en train de jouer. Je sais plus comment je fais, regarde mes. Tu vois ma manette sur tous mes. Quand je joue à NXS. Donc regarde comment je fais et tu sauras. Je pourrais plus te dire de mémoire, je fais automatiquement donc je sais pas. Donc là il a un drapeau bleu 2 secondes 5. Ça ramouille hein. Trop marrant. Ils sont synchro devant. Regardez les deux devant là. Enfin tous les deux le virage. Hop. Et tous les deux au même moment. Poum. La même. Car moi quand je joue, j'ai deux. Je joue depuis hier. C'est normal, Rebelso, c'est normal, ça c'est le jeu qui est super dur. Faut pas que tu cherches à comprendre. C'est normal, c'est. T'attends pas à réussir à jouer comme moi au bout de 2 heures de jeu. C'est pas un MXGP ou un Super Cross the Game, c'est ultra dur comme jeu. Ok, ouais. Tout juste, c'est juste ça. Oh, ça va. Je sais que t'as pas l'impression quand tu me vois jouer, mais c'est super dur. Coupe le tour de la piste au départ et me fait tomber après. 19-29, Alexis.
Faut juste que tu t'habitues, que tu augmentes ta sensibilité, tu la mets vers 70 si tu as commencé le jeu hier et ça devrait aller. Et après tu la diminues petit à petit quand t'arrives à plus tomber. À chaque fois j'oublie Alexis. Je retiens pas. Il est là. Ah, je savais pas. Ah ouais, ok, d'accord. Nice. Puis il prend même pas le shot quoi. Ouais, 70-60 dans ces eaux-là quoi. Est-ce qui s'est plaint? Jordan Lacoste. Ah bah c'est lui qui tombe. Ok, c'est juste ça. En fait, la sensibilité, c'est plus tu mets sensible, plus ton pilote va faire gauche-droite vite en fait. C'est comme ta souris, ta sensibilité à souris. Plus elle est. Enfin, c'est l'inverse. Plus t'as de la sensibilité, plus ça va aller vite. Parce que tout ce que tu fais. Du coup, plus tu bases ta sensibilité sur un accélérateur, plus ton pilote va faire des vite gauche-droite à peine tu bouges ton joystick. En gros, c'est ça. Je le fais tomber une fois sans faire exprès, il arrive pleine balle après et me découpe, même si ma course n'était pas parfaite. Et vous comprenez, j'espère qu'il sera ban. Running Peace, je crois 8 minutes 50 secondes. Enfin, je crois 8 minutes 50 secondes! Je l'ai fait tomber! N'importe quoi. Son caps lock qui était bloqué. 22h. C'est Johnson! Non, c'est pas sensibilité, c'est stability, je crois, dans un X-Meter. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. J'ai beaucoup de trous de mémoire ce matin. Ouais, c'est stability, du coup c'est logique que ce soit plus bas. En fait, plus ta stabilité est basse, moins tu seras stable, tout simplement. C'est bien stabilité, c'est pas sensibilité. En gros, plus tu la baisses, plus ton pilote va faire vite gauche-droite. Ce qui est logique, hein, moins tu seras stable. Du coup, faut se mettre sur Johnson et 8 minutes 50. Est-ce que tu aurais un conseil sur le skin à télécharger le mieux pour modifier le temps? Qu'une idée, hein, débile. Maintenant, tout est payant sur X16, donc good luck pour prendre gratuitement. Donc, c'est 8,50. Vengeance quoi. Il y a du tout sur internet, ça irait sur YouTube. Ouais. Mathéo. Oula. En décembre.
pense qu'on va finir la liste et j'arrêterai là, je pense. Faut aussi que je mette en place des amendes. En gros, faut que tu payes X euros pour pouvoir rejouer. T'as une amende, tu peux plus jouer. Tant que t'as pas payé l'amende, tu joues plus. Putain, ça serait trop rentable de faire ça. Au lieu de mettre des bans, tu mets des amendes. C'est aussi bien. Mais non, mais pourquoi il a mis Mathéo alors que c'est le numéro 77? Je comprends pas. C'est une gourde, tout simplement. C'est une gourde, quoi, où je mets de l'eau du robinet dedans. On trouve partout, quoi. Ça m'évite de boire dans des bouteilles en plastique, qui est pas très sain. Ouais, donc là, on peut rien faire. Parce qu'il a pas mis le bon. Mais pareil, pourquoi il met Dylan Wandball numéro 77 et il reporte le numéro 218? Non, là il storyporte. Et allez hop. Nous on a déjà mis un truc aujourd'hui. Hop. Il me découpe à plusieurs reprises avant le saut. Après la montée, il repart devant moi et saute en travers. Il me découpe encore une fois. Ok, j'ai pas bien roulé. Non plus avec plusieurs chutes, mais là il a abusé. J'aime bien les gens qui s'excusent de leur course. 11h34. Ouais, c'était pas loin, Benoît, ouais. Mais bon, c'est que ça progresse et que ça va passer un jour. Comme quoi, en faisant un bon départ, on y arrive mieux quand même. Hein. Quand on est pas dans le paquet et tout, ça va commencer à venir. Non, c'est l'inox à l'intérieur. Le dessus, c'est un sticker, ça. C'est, tu vois, c'est du métal. C'est pas du tout en bois. C'est juste un. Ils ont fait un effet bois dessus. Ah. Bah, j'en ai même donné dessus du coup. Putain, ça fait longtemps que j'ai roulé cette piste. Ah, ok. Je me dis, c'est mieux de faire les fonds, non, il s'est pris la collision. Non, non, je m'arrêterai à midi. Vous allez manger après, préparer à manger et tout. Midi, midi 15 ou plus tard quoi. Puis il quitte, et du coup il va pas au lap 5. Ok, découpage, il a inversé les deux, mais bon, c'est pas grave. 31 à 42. Nito, merci pour ton follow, merci beaucoup, je t'ai raté, mais merci à toi, merci beaucoup. Et X, t'as combien? Yo le gamer, salut. Bonjour à toi. 7 minutes 30 sur Oakley. Ouf. La fatigue, la fatigue. Oakley. Sinon, je suis plus dessus à chaque fois. Thank you.
moi je crois que c'est un équivalent de 16, je crois, Rebel Song. Mais je crois qu'elle est même peut-être même en dessous de 16, je sais plus. Parce que j'ai un truc custom, en fait, quand tu viens toucher ton Advanced Stability, bah en fait, ce truc-là, il sert plus à rien. En fait, quand tu bouges ça, ça bouge ton Advanced Stability. Bah, content. Content que ça te plaise, le gamer. On a dit que c'était là, c'est là. 7.30. Est-ce que c'est bien lui? Florian Fonte. Il est où? Il n'aime pas jouer. Les gens, mettez les bonnes courses. C'est. Pourtant, c'est pas compliqué de report, mais bon, il y a des gens, t'as l'impression qu'ils. C'est parce qu'ils ont le cerveau. Moi je perds du temps parce que c'est pas le bon report. Fatigue. Je travaille trop. Il reste 24 à faire, j'aurai pas le temps de tout faire, c'est clair. Mais Kevin pourra finir, j'en aurai fait une bonne part, j'en aurai fait plus de la moitié. Donc c'est bien, Kevin il aura plus trop à faire. Parce que j'en ai fait 31 aujourd'hui. C'est fou. Oui, il y a ça ici. On s'en fout de ça. Alors du coup, faut se mettre sur Ryan et c'est à 7.23. Putain, à chaque fois, on est bien. 7.23. C'est dans quoi, du coup? Qu'est-ce qu'il fait précisément? Ce calme volontairement quand je saute et me fait perdre la course. Ok, donc là il était sous drapeau bleu, ok. Bah oui. Ils ont tous les deux ma tenue. Ils sont habillés pareil. Avec ma tenue. Nice gamer. No respect of the blue flag. Ryan il est venu. Ah. Voilà, c'est surtout qu'il saute de travers, quoi. En fait, il a pas voulu faire un whip, c'est. Je sais pas, en fait, ça, à mon avis, c'est là il a pris un coup qu'il l'a décalé. Parce que sa roue est tournée dans le mauvais sens. Et je sais pas ce qu'il a voulu faire, et du coup, il saute dessus, mais il a même pas essayé de se rattraper, quoi. Il a fait rien à foutre. Il a même pas dit hop, gros coup à gauche. Surtout qu'il est sous drapeau bleu, donc. Là, il sait que c'est un mec qui lui met un tour. Et il réaccélère plein gaz, même pas il se dit je vais ralentir pour me mettre derrière quoi. Et du coup bam. Est-ce qu'il m'en reste du coup playback 22-34? Oui bah c'est le dernier. Puis on s'arrêtera là. Il a pas coupé avant le virage début de course. Ça sera le dernier pour aujourd'hui les gens. Pam 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 pam. Mais à chaque fois, pourquoi on tombe directement sur les bons? C'est bien ça. Xavier. C'est quand? Ok, il précise pas, c'est sur Thibaut.
Oui, Thibaut. What? Pourquoi il est si loin? Au début de la course, là on est à la fin du premier, passé le premier tour. Ah! C'est qui ça? Moi aussi, c'est moche. Bah écoutez, il y aura rien aussi là-dessus. Bon, bah voilà, on aura bien avancé. Kevin, il n'y aura plus que 22 à faire. Ça va? Il s'est auto-report. Là, donc Kevin, il pourra rien faire là-dessus. Mais pourquoi tu dis que tu remportes Anthony, que tu choisis pas Anthony? On va les trier, tiens, on va faire un peu de tri pour Kevin. Ouais. Florian, Dorian, Mathieu, Dorian, Mathieu, Lucas, Dylan, Jean-Lucas, Clem, tac. Comme ça, au moins, il n'aura pas les doublons qui seront là. Arthur, Thomas, Alexis, Louis. Si les USD sont différents, c'est que c'est bon, ils ont à peu près bien report. Non, mais c'est bon. Xavier, ça fait deux fois report. C'est la même course. Ouais, bon, je laisserai Kevin gérer ça. Bon, en tout cas, j'espère que ce live vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu et intéressé. On a avancé un peu mal là. On a bien dégrossi le travail. Kevin finira ce week-end. Peut-être qu'il fera un live, je sais pas, demandez-lui. Et puis voilà, tout simplement. C'était bien cool. Enfin, c'est bon. Donc je pense qu'on se retrouve lundi, nous. On fera du campan. Si j'arrive à caler ça dans mon planning, on fera du campan lundi. Et voilà, tout simplement. Je vois s'il y a du monde à raid. Je pense pas à cette heure-là, il n'y a pas grand monde en général. Mix bike. Non. Mix Meter, il n'y a personne. Et Mix GP, j'imagine qu'il n'y aura personne. Et Super Cross the Game. Cross the Game 4, non, le 3, je veux. Y a personne non plus. Bah écoutez, les gens, on va host personne vu qu'il y a personne. On va raid personne. Mais tu peux changer mon nom sur Instagram. Tu peux le faire toi-même, boule. Tu peux le faire toi-même. J'espère que ce live vous aura plu. Et bon, comme je disais, on se donne rendez-vous demain matin pour la vidéo Je teste ton track sur MXGP 2020. Et ensuite, lundi, pour un nouveau live. C'était MXWay. Ciao. Bye bye.